quand même. Oui, non, c'est. Comme si nous, on pouvait prendre cette décision. Faudrait qu'ils comprennent, oui, que c'est sympa pour nous. Oh, vous pouvez avancer jusqu'au comptoir, c'est pas cool. C'est le presse BFM. Voilà. En direct. Ouais. C'est France Info. C'est vrai. France Info. Mais non, il me calme là. Je suis pas sûre. Jésus, tu me prends pour Donc, du coup, en fait, ils sont venus. Alors, je vais vous poser la question, vous inquiétez pas. Ok. Je ne trouve pas. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, ils sont rentrés tout à l'heure pour nous demander des cafés parce qu'ils voulaient des cafés gratuits. Je leur ai dit que je ne pouvais pas parce que je ne peux pas prendre cette décision. Je suis juste manager, je ne peux pas leur donner des cafés gratuits. Ce n'est pas mon restaurant, je ne suis pas la franchisée, je ne suis personne. Et en gros, ils ont dit à ma collègue oui, dans ce cas. Ok, pas de soucis. Ils sont partis, ils sont revenus 5 minutes après et ils ont ramené tout ça. En disant, si vous pouvez travailler, c'est grâce à nous, patati patata. Et du coup, on leur a dit que la forme, elle était mauvaise parce que c'est nous qui allons nettoyer et c'est pas eux et que du coup, c'est pas normal. Enfin, qu'ils veuillent manifester, qu'ils veulent faire leurs revendications s'ils veulent, d'accord, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans. Enfin, on est salariés comme tout le monde, on est payés au SMIC comme tout le monde. On ne travaille pas au McDo parce que c'est notre job de rêve, non, pas du tout. On est là parce qu'on a envie de travailler pour avoir une carrière, possibilité d'évolution, etc. Mais genre absolument pas... Enfin, on n'est pas d'accord avec leurs revendications, quoi. C'est... Voilà. Vous avez l'impression d'être pris pour cible alors que vous... Là, pour le coup, on n'avait rien fait, quoi. C'était injuste. Nous, s'ils veulent manifester, d'accord, ils font ce qu'ils veulent, mais après, nous, on a... Enfin, juste parce qu'on leur a pas offert des cafés, c'est pas normal. Parce que là, comment ça va se passer? C'est vous qui allez devoir tout nettoyer? Ah oui, c'est nous. C'est pas eux qui vont venir dans le restaurant nettoyer, ça c'est sûr. Ça va être nous, quoi. Donc, c'est pas cool. Ouais. Votre prénom? Jennifer. Oui. Jennifer, manager. Voilà, c'est ça. Merci. Vous connaissez quand même leurs revendications sur le mouvement en cours ou Mais bien sûr qu'on connaît leurs revendications, on a suivi l'actualité, etc. On sait pourquoi ils manifestent. Après, que les gens soient d'accord avec eux ou pas, c'est leur idée personnelle. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on est sur notre lieu de travail. On est venu travailler ce matin comme tout le monde. Enfin, c'est... Nous, on n'a rien demandé, quoi. Juste parce qu'on leur a pas offert des cafés, je trouve ça ridicule, quoi. Hier, il y a eu des banques de ciblés. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une sorte de montée de tension sur Agen, notamment, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent? Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils vont s'allier des gens, ça, c'est sûr. C'est Marseille, ils voulaient faire un truc. Marseille, c'est pas mal. C'est bon, c'est joli. Je sais pas, on est sur un blocage d'agriculteurs.
Nos collègues sont allés chercher des cafés donc, dans cette enseigne de restauration. Et comme, et je ne sais pas, ça n'a pas dû leur plaire, là, qu'on bloque le rond-point, donc ils perdent sûrement des clients. Et donc ils nous ont mis dehors comme des malpropres. Donc on leur a apporté, ou quelqu'un leur a apporté une boule de fouet, et ils ont appelé la gendarmerie pour porter plainte. Donc voilà, c'est du manque de respect là, du monde agricole, quoi. On voulait juste des cafés, et parce qu'on bloquait le rond-point, parce que ça leur gêne le chiffre d'affaires, ils portent plainte. Donc là, vous nous emmenez quoi devant le McDo? Je sais pas qu'il y a dans la remorque. Il y a de la paille. Voilà, on leur bouche l'entrée, et pour leur dire, voilà, un paysan, ça se respecte, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Hein.